Salut tout le monde, c'est Darkbo et on se retrouve pour le nouveau jeu de la semaine de Future Imaginity. Donc, on a concocté aujourd'hui Unturned. Donc voilà, donc je vais pouvoir vous présenter un peu le jeu. J'ai pas encore joué exactement, enfin j'ai pas encore joué, mais j'ai regardé plein de vidéos dessus, donc je suis quand même un peu calé. Bon, pour les contrôles c'est un peu plus compliqué vu qu'en plus c'est en anglais, donc j'en ai quelques-uns je crois. Mais pas tous non plus. Donc je vais découvrir en même temps aussi. Donc alors là on a la sélection du personnage. Donc là en gros vous êtes hop voilà, vous êtes ici. Vous allez ensuite dans Survivors. Vous avez caractère, donc là le personnage, vous avez le type. Donc là bon moi je suis en fisher, voilà. Je suis un pêcheur. Vous avez farmer, donc ça se ressemble à peu près à les deux là. Vous avez Spec Ops, donc ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un pilote de course, ce qu'on voit, un truc du genre. Police Officer. On a voilà, Lumberjack. Worker. Un chef, cuisinier. Ça doit être un bandit. Ça, un docteur, voilà. Et en bas, je sais pas, ça doit être plusieurs identités qu'on peut se faire. Hop, du coup, je prends le ficheur. Alors, back, ensuite on a apparence. Donc je l'ai pas fait exactement, mais là, voilà, on peut choisir la tête. Bon, on va choisir une tête peut-être basique. Non, ça c'est une tête énervée. Cette tête peut-être. Ou celle-là. Oh, ouais. Ouais. Ouais, on va prendre cette tête. Ici, voilà. Celle-là. Parce que... Ouais, celle-là, bof. Ok, du coup on peut prendre celle-là. Ensuite les cheveux, on les change. Ça m'a l'air... Ouais, ça m'a l'air... En vrai, ouais, je vais... Voilà, je prends la... Ouais, je sais pas, ça a l'air bizarre. Ouais, bon, je vais pas le mettre chauve non plus. Je vais pas le mettre chauve, donc... Ah mais non, c'est pas chauve, c'est vrai, là. Bon, il a des poils de frites sur la tête. Voilà. Du coup, ensuite, on descend. On a la couleur du skin. Donc, voilà, comme on veut. Putain, ah, putain, là, il est vraiment blanc, blanc. Il est vraiment blanc. Putain. On va le mettre comme ça, voilà. Ah ouais, ok. Et bon, il y a beaucoup de couleurs, donc ça devrait aller. Enfin, beaucoup de couleurs. Et puis là, vous pouvez les customiser comme vous voulez. Avec les couleurs, bah, rouge, etc., en fait. Donc ça c'est dégradé des couleurs. Vous avez le générateur sur internet pour savoir qu'est-ce que donne tel numéro. Ou pour tout simplement avec la palette de couleurs. Donc là il n'y a pas, je crois. Avec une palette de couleurs, nous donner un numéro rouge, jaune, etc. Enfin rouge, vert et bleu. Je vous passerai un lien comme ça dans la description. Voilà, donc right-handed ou left-handed. Donc là je suis gaucher normalement. J'espère que je suis... Voilà, ok. Gaucher. Ça... Ouais, c'est pour le faire tourner, puis voilà. Donc, back. Ensuite, groupe, ça, je sais pas ce que c'est. Ok, c'est par rapport à d'autres jeux, apparemment. Ok, ensuite, on a inventory. Donc là, c'est... bon, c'est l'inventaire. Par contre, je sais pas... équipe. Ah, ok, cool. C'est pour... ouais. D'accord. Ouais, vas-y, on va prendre ça. On va prendre les éléments, même si même si en fait il a été créé il y a 4 ans quand même, peut-être 5, 2014, donc je sais pas quand exactement 2014, mais ça fait 4 ou 5 ans du coup. Bon, on va démarrer du coup. On a configuration ici aussi pour avoir contrôle et voilà, là tout choisir. Il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on peut choisir, voilà. Donc je vais éviter de tout aller choisir, surtout que c'est en anglais. J'ai quand même regardé les configurations de base, donc avancées et tout, si c'était ok. Mais le reste, je l'ai pas trop regardé. Donc là, on a un voilà, tutoriel, parfait. Parce que je suis mauvais. Ok. Alors, you can use. Hey, here. Are you alive? Move QZSZ, run the beat. Ok. Parfait.
Là, c'est pour sauter, parfait. Ok. Et ouais, dès qu'on tourne, dès qu'on... C'est juste... What? C'est fait exprès ou pas, dès qu'on tourne, que la tête se penche? Je tourne à gauche, ma tête se penche à gauche. Voilà. Et là... Somme... Interact W. Ah, c'est W pour prendre les items, ok. Ok. You can equip or drop them from your inventory E. Ok. Alors, Red Backpack. On l'a équipé, c'est ça? Ouais, apparemment, oui. Ok. Bah, on va voir ce que c'est, ce truc. C'est quoi ça? C'est de la bouffe. Ok. C'est de la bouffe. Ça, bah, c'est juste à boire. Voilà, on boit. Nickel. Ah, une arme. Bah écoute, voilà, on va la prendre. Alors, là, ouais, pour viser, c'est de base. Ah, et là, des zombies à tuer. Donc, alors, ces zombies... Voilà, t'es mort. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a... Voilà, il y a moyen de les taper à la main aussi. Tac, 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 tac. Hop. J'ai pas envie de mourir. Je vais mourir, je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Putain, j'ai pas réussi même à les tuer comme ça. Bon, je savais pas que en fait, ouais, ils faisaient quand même. Notre vie, en fait, était morte rapidement avec leurs dégâts. Mais ok, ouais. Bon, merde, y a plus mon fusil. Ah, j'ai plus le. Ah si, il y a l'arme. Hop, hop. Allez. Allez, mourez. C'est compliqué à les tuer quand même. Allez, on court, voilà. C'est plus simple en courant. Parce que sinon, on va galérer à y aller. Oh, y a quoi comme item là? C'est quoi, c'est un pantalon? J'ai l'impression que c'est un pantalon que j'ai mis. Et ça, c'est un t-shirt. Oui! Voilà. Parfait. Attendez. Je crois que... Oui. Oui, il me semble que c'est bon. Ouais, ok. Je crois que je l'ai mis. Donc là, je suis plus protégé. Ça, ok, ça fait rien. Alors. Là, on va monter ici. Parfait, voilà, on les a pas tués pour le moment. On n'a pas récolté le stuff par terre. Ok, donc si je prenais ça. Hop! Ok. Je vais essayer de prendre l'arme et puis je vous retrouve dès que j'aurai l'arme ou dès que je les aurai tués parce que sinon, je vais prendre beaucoup trop de temps juste pour les tuer, les zombies. C'est un peu long après. Donc on se retrouve après, quoi. Ah, bah voilà, enfin! Donc voilà, donc je l'ai tué. Bon, il y a aussi mon cadavre à côté. J'ai tué les deux. Donc là, pour reprendre l'arme, voilà, il faut la viser et W. Donc là, on va viser pour les autres. Et on a aussi ça, voilà. Donc là, on peut rééquiper le... attendez. Ouais, merde, bon, ok, je l'avais sur moi, mais... voilà. Ok. Alors, nickel, normalement, je crois que c'est bon. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je les ai pas équipés, donc Ah! Ok, clic droit, voilà. Clic droit, équipe. Ah, bah voilà. C'est ça. C'est parfait. Ok, donc là, on va reprendre ça. Et on va pouvoir faire clic droit aussi, équipe. Voilà. Nickel. Et là, on fait clic gauche pour l'équiper. Ok, bon bah c'est nickel, en fait c'était bien équipé en bas, donc voilà, c'est parfait. L'inventaire est juste là du coup, avec peut-être ici aussi j'ai l'impression. Et ouais, ça c'est ce qu'on a dans nos mains en fait. Et là, bon là c'est nos équipements en plus. Alors, du coup, là, l'arme, voilà. L'arme, c'est si j'appuie sur la touche 3 en haut je crois. Ou... Ouais non, ça touche 1. Ok. Alors, du coup, là, on va avoir peut-être d'autres monstres. Non. Là, c'est de l'eau. De l'eau. Donc là, il faut se grouiller.
Ok, space, ok, pour monter plus vite. Alors, voilà. On a plus l'arme en sélection, voilà. On l'a up. Ok, ça, ouais, dac. Je sais pas ce que c'est en fait. Ça, c'est. Box of hospital, médicaments. Ok. D'accord. Bon. Ah, alors, du coup, ça, bon, je sais pas ce que c'est non plus, mais. Fuel! C'est pour un véhicule. Ah! Ok, c'est fait exprès. On doit. Mousse de The Fuel Tanks to Drive W. W, ok. Ok, ouais. J'arrive pas trop à voir comment on fait pour avancer, par contre. Ça. Il y a une sirène de police là-dedans! Ok. Il y a une sirène de police apparemment. Et ouais, il faut que je sorte peut-être pour que je vois. Alors. The fuel tanks into the gas can. This vehicle to drive. Okay, alors. Ah, là-dedans. Là-dedans. On a besoin de mettre notre truc de fuel. Donc. Il est non, c'est pas ça. Le fuel on doit le mettre là-dedans. Voilà, on va l'équiper. Équipe. Parfait. Et on ah. Voilà, il faut monter là-haut. OK. Donc là, on monte là. Voilà. On reste appuyé. Ah, quoique, non, c'est bon, pas la peine. Je crois qu'il n'y a pas la peine de rester appuyé. Ouais, parfait. Donc il me semble que là on est plein. Et là on va pouvoir démarrer dans. Ok, ouais, non. Peut-être qu'il faut déjà la remplir. Hop, équipe. Voilà. Merde, fuel. Zéro. Attendez. Là, clic droit. Clic droit ou gauche? Ça doit être le gauche, ouais. Quand même. Non, This vehicle to drive another. Ok. Il y a. Ok, bon, je. J'ai pas trop idée de comment on fait là. J'ai. Bon, ok, j'ai vraiment pas d'idée. Hop, attendez. On va essayer de monter. Tac. Non, on peut pas monter. Ok. W. Non. Ah, ok, il y a une barre d'énergie qui se remplit, mais j'ai l'impression que c'est pas ça en fait. Donc, ah, oui, ok. Alors, d'équipe. Non, c'est bon, on l'a bien, ok. On l'a bien sur nous, oui. Par contre, je sais pas comment on contrôle une voiture, donc, contrôle. Et on a, en bas, mouvement, stance, use. Interact, primary mousse, seconde mousse, enfin souris quoi. Ensuite on a pour interface, crafting skill, véhicule lock haut, roll left, left arrow, pitch up, yaw left, etc. Alors du coup apparemment il faut utiliser les flèches pour avancer je crois. Je suis pas sûr mais du coup. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'il faut utiliser les flèches. Hop, alors. Là. Bon, alors, on sait pas trop où est-ce qu'il y a le fuel à remplir, donc, bon, apparemment, y a pas d'endroit, en fait. Là. Et là, la cuve. Elle ne va pas trop m'aider. Ok. Alors, siphon the fuel gas in the gas can, then fuel the mouse to drive to the other end. Ok, bon, on va juste changer les contrôles. Comme ça, on va savoir ce que c'est exactement. Donc, mouse, la souris 1. Parce que j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Donc, voilà, primary, mouse 1. Secondary. Mouse 2, ok, on est d'accord, c'est comme ça. Et
C'est... Ouais, bon, c'est peut-être comme ça, je sais pas. Ah, voilà, clic droit. Clic droit. Ah, nickel. J'ai l'impression que c'est ça. Bon, ok, on va répéter l'opération. On répète. Ok, bon, Ah! Voilà, parfait. Donc, pour tourner, voilà, c'est avec les flèches ZQSD, quoi. C'est pas où est-ce qu'on regarde, là. Donc, on peut avancer. Aïe. Merde. Faut passer en dessous, c'est ça? Vraiment, on va réussir à passer là-dessous, selon eux. Et est-ce qu'on peut faire reculer? Ouais, peut-être. Ouais, on peut reculer, mais c'est un peu galère. Bon, par contre, je sais pas pourquoi je vais dans ce sens, mais bon, du coup, on va essayer de sortir pour faire un demi-tour. Voilà, on va essayer de faire un demi-tour. Ouais, au pire, alors, on sort du véhicule, sachant que là, il y a un truc à faire. Merde, non. Je voulais pas le taper. Voilà. Là, on pouvait pas passer sans le véhicule, je crois. Ok. X. Ah oui, ok, ouais. C'est pour passer en dessous pour être. Du coup, on a F5 aussi pour être en allongé. Voilà. Donc bon, on va enlever le mode allongé, voilà. Et on a. C'est un véhicule ça? J'ai l'impression que c'est un autre véhicule, mais ouais, non, c'est juste une maquette. C'est juste une maquette. Je peux plus bouger par contre là. Je peux plus du tout bouger. Ça, c'est. Ah, un truc à poser. Et générateur, scan powerall electrical objects such as anti-zombie radiators and traffic lights. Ok. Donc bon, là je vous ai montré pour le tuto pour le moment et d'ailleurs je vais m'arrêter là vu que sinon ça sera bien trop long. Donc je vous ai montré un peu des éléments du jeu, mais c'est un jeu bien plus complet là. C'est juste le tuto pour les éléments, les interactions et tout. Parce que du coup c'est un jeu où bon, j'arrive pas à me mettre en face pour la tête. C'est un jeu où en fait vous êtes dans. Oh, regardez, voilà, exit. Je vais vous montrer en voilà, je vais vous montrer un petit peu en single player. Voilà, en single player. Voilà, on va faire play. Et du coup, on va arriver dans une map. Donc c'est des grandes maps en fait. Et aussi du multijoueur d'ailleurs. Vous pouvez jouer avec vos amis, créer vos serveurs aussi. Donc là, voilà, on a une map, on est à lâcher. Là, je vais me balader. Et là, toutes les villes sont infestées de zombies. Quasiment toutes. Là, bah, c'est un zombie qui va m'attaquer, donc je dois faire gaffe. Putain! Ah! Oh, qu'est-ce qu'il fout? Ah! Ah! Il est trop... Il est beaucoup trop rapide! Je croyais qu'il était plus lent. Putain, les mecs dans les vidéos genre de Hunter Ned, ils les tuaient beaucoup plus facile, beaucoup, enfin ils les coursaient beaucoup plus facilement. Ah, il y a un cerf. Waouh. Est-ce qu'on peut prendre ça d'ailleurs? Est-ce qu'on peut? Ouais, apparemment. Je crois qu'on peut casser, mais je suis pas sûr. Parce que dès qu'on tape, ça fait un truc différent. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr et certain. Je crois que non, on peut pas. Bon, bref. Putain, il a peur que je le tape. Et du coup, vous avez des villes comme ça. Donc là, si on va là-bas, bon, je peux pas aller plus vite, malheureusement. Parce que... Ah, voilà, c'est bon. Je crois que j'avais dépensé toute ma vitesse, mais... Mais non, c'est bon. Alors, voilà. On arrive par là du coup. Ah voilà la vie. Ok, c'est le speed en bas qui se rechargeait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y avait du speed qui se rechargeait. Genre, c'était hop, bon, dans le coin ici en fait. L'espèce d'éclair. Il y a vraiment beaucoup de mobs ici. Normalement, on peut rentrer par les fenêtres dans les villes, enfin dans les maisons. Ouais voilà. Par contre là du coup, il me faut une arme. Aïe! Putain! Il est invisible quoi? Close, ok. On a une arme là? On est d'accord? Ouais.
J'avoue, c'est une arme. C'est une arme. Et on a rien. Ok. Donc c'est une petite survie comme ça. On va essayer de buter quelques zombies quand même. Le but, c'est quand même d'en tuer. Donc, toi, vas-y, ramène ta... Non, pas trop près. Ils sont beaucoup trop rapides par rapport à nous. Beaucoup trop rapides. Bon, en tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo du coup. Donc voilà, pour ma part, c'est ok. Et je vais essayer de faire, on va essayer de faire avec avec le cofondateur de Future Imaginity, donc Patouf. On va essayer de faire une vidéo comme ça en multijoueur si possible. Elle sortira pas dans l'immédiat parce que moi je suis occupé la semaine prochaine. Vraiment toute la semaine par des épreuves. Mais après je suis en vacances donc je pourrai tranquillement. Putain mais en gros en fait les villes sont vraiment hyper infestées, les campagnes un peu moins. D'ailleurs il y a un crash d'avion là-bas. Putain. Mais là les villes sont... C'est abusé comme elles sont infestées. Si on pouvait attirer juste un seul zombie là pour le tuer. Toi t'es un zombie, on est d'accord? Ouais, t'es un zombie. Putain, c'est un chien! Il est dangereux! On peut pas... Vas-y! Vas-y! Oh, je l'ai tué. Voilà, c'est un peu galère. Et votre vue devient plus sombre dès que vous avez moins de vie. Donc la vie est marquée à gauche et elle se régène. Donc là, c'est le plus rouge, je suis à 34%. Je suis pas haut, non, je suis pas tellement haut. L'eau, 97%. Le vert, je sais pas ce que c'est. Bon, ce qui est en jaune avec les couverts, c'est la nourriture. Et tout en bas, je sais pas ce que c'est non plus. Donc voilà, donc vous avez des petites îles comme ça, en fait. Enfin, des terres comme ça, avec du coup de l'eau de temps en temps. Et des bâtiments avec des armes dedans. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez avec aussi des avions, etc. Donc c'est aussi un jeu où vous pouvez construire. Donc pour la partie construction, je sais pas trop comment faire actuellement. Donc je verrai pour la prochaine vidéo dès qu'on sera en multijoueur. Je vous montrerai comment construire. Et ça sera sur la chaîne à l'occasion de Future Imaginity. Du coup, si vous n'avez pas le lien ou si vous connaissez pas Future Imaginity, je vous mets le lien du Discord en description et de la chaîne YouTube où il y aura la vidéo aussi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez... What? Il veut pas m'attaquer lui. Putain, il a mis longtemps. Voilà. Il a mis longtemps, bon. Voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, ce jeu a été fait par un enfant de 16 ans, en fait. Un ado de 16 ans, il y a 4 ans. Bon, là, il a 20 ou 21 ans, du coup. Mais du coup, quand même, il l'a fait à 16 ans, il a fait un jeu comme ça. Au début, c'était à peu près pareil, en fait. Il a rajouté quand même plein de choses. Mais au début, il y avait quand même tout l'aspect construction et tout. Donc franchement, bah respect à lui. Voilà, il l'a fait avec moteur. Je crois qu'il l'a fait avec Unity. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, du coup, les animations dès qu'on nage. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss. Ouais, c'est à l'envers, du coup, pour faire tchuss, mais voilà. Tchuss de dos. Le personnage ne vous respecte pas. Je ne vous respecte pas. Tchuss!